A qualche centinaio di metri dalla scuola ci sono i giardini della Tuileries, sono vicini al Louvre. Qui nel 2000 ha realizzato l'albero delle vocali, cioè il suo interesse per i miti, per i segreti che custodiscono, per gli alfabeti arborei. Pour moi, c'est fantastique. Moi, je viens rarement, mais c'est extraordinaire de venir au centre de Paris et d'avoir mon jardin personnel. Oui, oui. Moi, une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on se met en face des racines là-bas, c'est vraiment la méduse, quoi. Ça, c'est très impressionnant. Ça devient comme une écriture, on peut aussi lire. Oui. Et il y a le dessin des... Il y a le dessin des voyelles. Oui, oui. Quand on est juste en face, on n'imagine pas l'arbre derrière. On a vraiment comme quelque chose qui se projette sur... C'est vraiment comme un tableau de Caravage ou une de ces images. Moi, je n'ai pas pensé à cet aspect. C'est vrai? Non, je... Moi, quand je l'ai regardé, la première fois que je suis venu avec toi ici, je regardais ça et je me disais, c'est vraiment la méduse. Tu sais, tu vois, avec les serpents sur la tête... Mais moi j'avais pensé que ça pouvait donner aussi l'idée d'une irradiation. Oui, évidemment, ça donne aussi ça. C'est quelque chose qui explose. C'est comme une sorte de Big Bang aussi. C'est quelque chose qui a... Le frêne, ensuite le chêne. Le chêne. Ça fait deux. Celui-là, c'est l'if. Ça fait trois. Le peuplier. Le peuplier, ça fait quatre. Et puis, l'aulne. Et l'aulne, ça fait cinq. Et donc, c'est les voyelles et c'est en même temps ces divinités que tu disais. Et je compte, par contre, installer à la fin de chaque branche un arbre qui avait, dans la mythologie, une place majeure dans différentes cultures. Oui, c'est très réussi. Même le sous-bois fonctionne bien. Et je pense qu'il va pousser encore, il va monter encore, tout ce sous-bois. Mais le sous-bois, je crois qu'il pousse tellement bien que chaque année, ils doivent le couper. Ah bon? Presque trop. C'est presque trop. Oui, oui. Ouais. Je trouve qu'il vieillit bien. Les arbres qu'on a plantés sont en train de pousser. Ça va sûrement créer le bosquet que j'avais imaginé. L'idée, c'était de planter des arbres où il y a les parties terminales des branches. Oui, 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 pour que c'est l'herbe. En suivant une organisation de l'espace à la recherche de la lumière qui est organique, pas géométrique comme dans le jardin à la France. Par exemple, là, cet arbre-là, il a vraiment l'air d'être né de la branche, là. Oui, et sûrement, il est déjà, si on regarde, là, c'est intégré. C'est la branche, là. Ah oui, bien sûr. C'est la branche. Ah, ça, c'est fantastique. Il va être complètement englobé. Ah oui, mais regardez donc celui-là. On a planté l'arbre dans le 2000. Et donc, oui, ça fait 11 ans, donc. Et vous l'aviez planté de telle sorte qu'il soit absolument sûr que, en se développant, le bronze... Il était à une distance, je crois, de 4-5 cm. Ah, ouais. Oui, celui-là, oui, il était peut-être un peu déplacé, du coup. Mais maintenant, de toute façon, en quelques années, c'est sûr, quoi. Je sais pas, c'est quoi, c'est 5 ans. En 5 ans, il sera dedans. Salut.